Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des énergies de la pleine lune qui se déroulera demain, le vendredi 19 avril. Comme toutes les pleines lunes depuis le mois d'octobre maintenant, celle-ci est en lien avec la planète Uranus. Alors pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, et pour les diverses vidéos déjà que j'ai fait ici, l'année dernière j'avais relevé cette étrangeté, pardon, où toute la Lune était en contact avec Saturne. Saturne est une planète assez fin de lourdeur, et effectivement l'ambiance l'année dernière était assez lourde. On a passé du mois de mars à peu près jusqu'au mois de septembre. Voilà des ambiances de lunaison assez pas très joyeuse, on va dire. Et depuis le mois d'octobre, elle a changé de planète. Notre Lune maintenant se connecte à Uranus. Alors que ce soit par conjonction, par trigone, par sextile ou par opposition, elle a toujours ce point avec lui. Alors je vous rappelle, enfin lui, elle plutôt. Je vous rappelle que la planète Uranus est une planète de tout ce qui est de l'ordre de la sidération, de l'imprévu. Alors ça peut être le coup de foudre, ça peut être aussi l'accident de voiture. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, ça peut être le coup de chance, comme ça peut être vraiment la grosse panade en fait, hein. Donc voilà, c'est la planète de l'imprévisible, il est le maître du Verseau. Et donc, le fait que toutes ces pleines lunes là soient connectées comme ça à Uranus, ce sont en général des moments où tout est amplifié au niveau de l'émotion. Hein, ce sont des pleines lunes très émotionnelles que nous vivons depuis quelques mois maintenant, où on est assez secoué, chamboulé, et on nous pousse dans le dos. Cette pleine lune n'est quand même pas banale. Alors pour plusieurs raisons, ben, on le sait, hein, on a tous été témoins de ce qui s'est passé pour Notre-Dame de Paris. Comme je l'ai écrit dans mon post, ça m'a beaucoup peinée puisque il y a quelques années maintenant, hein, ça commence à remonter. J'avais 19-20 ans, je travaillais sur Paris, sur l'île Saint-Louis, et effectivement, je voyais cette dame tous les jours. Et puis, comme tout le monde, je suis attachée, enfin, comme beaucoup, je suis très attachée à notre patrimoine. On peut déjà deviner, on était dans l'énergie déjà la pleine lune, hein, puisque une pleine lune se ressent 3 jours avant, 3 jours après, comme une nouvelle lune en fait. Et effectivement, elle s'est passée voilà, dans ce laps de temps-là. Uranus étant quand même une planète très puissante, c'est une planète transpersonnelle, hein, qui met quand même du temps, il met 84 ans à faire le tour d'un zodiaque. Donc il est. Son énergie est quand même fabuleuse, hein. Donc effectivement, il y a eu cet état de sidération. Donc effectivement, c'était déjà pas banal. Mais en règle générale, ça accompagne aussi un petit peu toute cette ambiance du ciel, assez particulier avec la conjonction actuelle de Saturne et de Pluton, ainsi que de l'axe nœud. Le nœud sud dans le Capricorne et le nœud nord dans le Cancer. Cette pleine lune a une deuxième particularité, c'est que c'est la deuxième dans le signe de la Balance. La première s'est faite à 0 degré. Il y a eu plusieurs pleines lunes, plusieurs nouvelles lunes, pardon, à 0 degré. Et là, elle est à 29 degrés. Or, les degrés dans un signe zodiacal, en fait, il y a 30 degrés, 30 jours environ, hein, pour le temps d'un signe. Donc 0 degré, c'est le tout début du signe. Et le 29, c'est le dernier. Et à 29 degrés, on est dans ce qu'on appelle les degrés critiques. Ben, pourquoi? Ben, parce qu'on passe de l'énergie, ben là, de la Balance, on s'en va vers le Scorpion. Donc là, ici, les énergies sont déjà un peu plus. On va dire un peu plus chamboulé. On appelle ça un degré critique parce qu'il faut s'adapter, on va dire, à un changement d'énergie. Et voilà, donc ce qui fait que c'est quand même une pleine lune qui est pas banale. Alors, la Balance, bien sûr, c'est le signe de l'autre.
Hop, excusez-moi, il y a eu un petit bug. Je suis désolée. Donc je disais, la balance, c'est le signe de l'autre. Le bélier, lui, est individuel. Dans la balance, on est déjà chez l'autre. Donc c'est moi et les autres. Uranus, là, arrive donc en taureau et accueille donc à côté de lui le soleil, donc deux énergies de feu. Le soleil, en général, c'est la représentation de notre signe zodiacal et donc ça représente l'ego. Ici aussi, on est encore dans l'ego. Et donc près d'Uranus, c'est un ego qui est bousculé. Et la Lune donc fait face à cet Uranus, mais fait face aussi bah, du coup au Soleil, puisqu'une pleine Lune est une opposition déjà par définition. Donc ici nous avons l'émotionnel qui va bousculer l'ego, et d'une façon dont on ne s'y attend pas forcément. Alors on peut être sujet, c'est une pleine Lune qui peut donner lieu à des réactions en fait. Presque irrationnel, hein, pour certains, c'est irrationnel, c'est-à-dire que là, on est là et puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors, ça peut être moi, ça peut être les autres. Quand je dis moi, je ne parle pas de moi, mais en parlant de la personne, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est aussi bousculant pour moi? Donc, c'est aussi une pleine lune qui, je pense, va pousser les gens à vraiment plonger dans leur conscience, et ce pour plusieurs raisons que je vais essayer de détailler sans trop me perdre. Alors déjà, il y a cet état de sidération, de surprise, voilà, on s'y attendait pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup d'émotions. Bon, là, il y a eu effectivement Notre-Dame de Paris, mais pas que. On a, lors de cette C'est la première pleine lune où nous avons Jupiter qui rétrograde. Alors, une planète qui rétrograde, c'est une planète qui semble reculer. Alors, bien sûr, elle ne recule pas pour de vrai, hein, mais c'est son éclipse qui fait ça, c'est une illusion d'optique, ce qu'on appelle une illusion d'optique. Néanmoins, quand une planète rétrograde, son énergie ne va plus vers l'extérieur, elle est beaucoup plus intériorisée. Donc, on est beaucoup plus proche de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Jupiter, c'est la loi cosmique un petit peu. Hein, il représente l'homme de loi, il représente la justice, il peut dénoncer. L'année dernière, donc comme je l'ai souligné dans mon poste, l'année dernière, il passait en scorpion, et quand il a rétrogradé en scorpion, il y a eu tous les scandales, les MeToo, l'affaire, je ne sais plus le nom, je ne saurais pas le dire parce que je ne suis pas très douée avec ça, du réalisateur hollywoodien. Enfin voilà, il était dans le scorpion, donc on était un petit peu dans le signe, on va dire, très sexuel, hein, et donc du coup, bah, tous les scandales sexuels. Il y a eu les premiers scandales de la pédophilie au sein de l'Église. Il y a eu, voilà. Ça vous donne un petit peu l'idée de ce que Jupiter qui rétrograde dans un signe va prendre on va dire, l'essence du signe, sa définition, et va souligner un petit peu, ben, tout ce qui va pas, justement pour que ça vienne à notre conscience et qu'on puisse remettre de l'ordre. C'est-à-dire que quand il redémarre après, entre guillemets, direct, les choses on rentre plus dans l'action, on est plus dans l'extérieur. Ici, dans le Sagittaire, il est chez lui. Donc Jupiter est très fort chez lui, comme Saturne actuellement dans le Capricorne. Donc ici, nous avons Jupiter, c'est aussi la planète de l'exagération. Alors souvent, on dit c'est le grand bienfaiteur. Oui, mais enfin, il exagère, il amplifie, si vous voulez, toutes les situations. Les émotions aussi. Donc c'est pour ça que je vous disais que cette pleine lune allait être très émotive aussi par rapport à ça. Et là, alors, je me permets un petit peu une petite encartade, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais là, moi, la première injustice qui me saute aux yeux serait la réaction, un petit peu, toute cette pluie de billets qui tombe pour Notre-Dame. Alors, oui, effectivement, ça fait partie du patrimoine. Oui, c'est important qu'on puisse la restaurer.
Néanmoins, c'est encore buggé. Néanmoins, il y a comme une indécence. Il y a déjà plusieurs mois que les gens se rebellent un petit peu contre ce manque à gagner, contre les hôpitaux qui ferment, contre l'écologie qui prend de plus en plus de place, hein, surtout avec Uranus en Taureau. Il y a des dossiers qui sont tellement. Il y a des immeubles qui s'effondrent par manque de restauration. À Paris, on sait très bien qu'il y a tout un tas d'appartements qui ne sont pas du tout loués, c'est avec des loyers faramineux. Il y a de la salubrité, il y a des familles qui dorment dehors, dont des enfants. Il y a des enfants qui vont à l'école dans la journée, mais qui dorment dehors le soir. Il y a des urgences médicales, il y a des. Enfin, et tout d'un coup, et on nous bassine, et on taille dans les coupes, on taille dans les budgets des régions, on taille dans les budgets des associations, dans les contrats aidés, dans le Pôle emploi, on taille dans l'éducation. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Ok, le patrimoine, quelque chose du patrimoine qui est en plus classé, hein, donc là, je comprends bien. Qui est classé par on appelle ça l'UNESCO, je crois. Alors chacun y met de sa poche, chacun, je trouve ça très bien. Mais là, tout d'un coup, on trouve de l'argent de partout. Et effectivement, il y a quelque chose ici qui est, on va dire, décalé. Ok, il faut la restaurer, d'accord. Alors en plus, ça se passe le soir où ben, notre président devait faire ce fameux discours. Et là, paf! Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a laissé un peu estomaqué. Alors non, non, je ne fais pas au complot, je ne suis pas du tout complotiste ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous dire que des fois, il y a des choses qui sont... qu'est-ce que ça prépare? Et puis, je me demande, entre nous, qu'est-ce qui va en découler? Je veux dire... Il a intérêt d'assurer au niveau des propositions derrière. Enfin, moi je dis ça, voilà. Ceci étant dit, ça peut effectivement, Jupiter en rétrogradant peut montrer cette espèce de fracture. Et puis Jupiter, il est depuis quelques semaines, il le sera encore carré à Neptune. Et Neptune, c'est le grand enfumeur. C'est-à-dire que c'est une planète. Qui est un voile, hein, il représente l'inconscient, la maison douce, ce sont des choses qu'on ne voit pas vraiment. Alors, soit il vous fait porter des lunettes roses, hein, ou soit il vous fait fumer du cannabis, ou picoler un petit peu trop. Mais si vous voulez, Neptune est vraiment une planète qui enfume. Carré à Jupiter, ça semble mensonge. Alors, voilà, on est un petit peu dans cette ambiance. On sait qu'on ne nous dit pas tout, mais quoi qu'il en soit, même à titre individuel, il y a quelque chose de l'ordre du mensonge, il y a quelque chose de l'ordre du cachet, il y a quelque chose de l'ordre que l'on passe sous silence. Les choses ne sont pas très claires. On sent qu'il y a des... Voilà, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose C'est pas net, c'est pas clair, c'est pas... Par contre... Comme j'ai pu le noter, si vous avez joué un petit peu avec la loi, si vous avez joué un petit peu les filous, si vous avez menti, si vous avez... méfiez-vous. Parce que le jour où Jupiter va redémarrer, ça risque de secouer. Hein. Ça risque de bien secouer. En général, quand il repart, il remet de l'ordre. Hein. Donc il y a ce carré avec Jupiter. Pour en revenir à notre petite lune, elle est carrée à l'axe des nœuds également. Alors, ces fameux nœuds, le nœud nord et le nœud sud, qui sont représentatifs du karma, c'est-à-dire le nœud sud est passé, ce sont les énergies du passé, c'est l'inconscient collectif aussi, hein,
et vous avez le nœud nord, ce vers quoi on tend. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, je me répète parce que je l'ai déjà dit, mais cette configuration est complètement à part. Donc, des conjonctions, Pluton, Saturne, on en a déjà eu, puisque c'est tout à peu près tous les 28-30 ans, hein, vu que Saturne fait le tour du zodiaque à peu près entre 28 et 32 ans. Donc ça, c'est pas un souci. Par contre, que l'on ait les deux dans le Capricorne avec un nœud lunaire à l'intérieur, là, c'est un peu plus spécial, puisque la dernière fois que ça s'est passé, c'était en 1518, figurez-vous. Et oui. Donc là, ce qui veut dire, à l'époque, on avait le nœud nord lié à cette conjonction-là. Et le nœud nord, c'est l'avenir. Et donc, à cette époque, effectivement, il y a eu les grandes croisades. Il y a eu les massacres des Aztèques, les massacres des Mayas, avec, on va dire, la même mise hein, de l'Église à l'époque, où les gens devaient se convertir pour pas mourir. Il y a eu aussi, pour le coup, on a détruit également toute une richesse spirituelle, hein, même si ce n'était pas des anges, hein, ni les Mayas ni les Aztèques. Hein, mais il n'empêche qu'ils avaient tout un savoir spirituel. Le fameux calendrier Maya, on en a entendu parler il n'y a encore pas longtemps, il y a quelques années à peine. Hein, donc, vous voyez que... on découvrait le monde à cette époque-là. Hein. Les gens voyageaient, ils allaient sur des bateaux, on a découvert l'Amérique, les Espagnols ont fait beaucoup de... Voilà, ont énormément voyagé aussi au niveau de la Chine. C'est-à-dire qu'il y avait une ouverture dans le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le nœud sud, c'est-à-dire tout ce passé-là. Et il faut savoir que la conjonction Pluton-Saturne, Pluton, il arrache tout. Pluton, c'est la fin. Là où il passe, l'arbre ne repousse pas. C'est-à-dire que tout ce qui est vieillot, tout ce qui n'est plus d'actualité, tout ce qui doit mourir, meurt. Bien sûr, c'est symbolique, hein, mais ça doit mourir. Et Saturne représente la maison 10, représente le pouvoir, représente donc les lourdeurs. Ça représente aussi, c'est le pouvoir absolu, donc ça peut représenter effectivement pour moi, ça représente énormément le pouvoir patriarcal, ce fameux patriarcat. Donc non, monsieur, je n'ai rien contre vous, parce que je pense que vous en avez autant souffert que nous. Mais voilà, c'est un mode de vie, et c'est surtout que là, on est en train de nettoyer, de libérer, et j'espère qu'on va le comprendre, 500 ans d'histoire, de fonctionnement, de croyances, de... Vous voyez, c'est quand même très lourd. C'est pour ça que en ce moment, on a cette sensation d'effondrement. Hein, le fameux effondrement que toute la dimension New Age nous bassine depuis quelque temps. En fait, c'est l'effondrement, mais à titre d'inconscient collectif. C'est-à-dire que là, tout ce qui est de l'ordre du connu, c'est en train de s'effriter. On est en train de passer à l'ère du Verseau. Et l'ère du Poisson, c'était quoi? C'était notamment la puissance de la religion telle qu'on l'a connue. Hein? Et le fait que Notre-Dame se soit effondrée lors de la Semaine Sainte, en plus... si on peut y voir un symbole, en même temps qu'il y a toutes ces condamnations au niveau du viol des bonnes sœurs, par exemple, je trouve ça hyper fort, c'est-à-dire que symboliquement, on est en train de nous montrer que stop, là, il faut arrêter les conneries. Alors effectivement, pour tout croyant, moi effectivement, je ne suis pas plus croyante, pourtant j'ai une famille catholique, j'ai beaucoup prié, je voulais même rentrer dans les ordres quand j'étais petite, donc j'ai cru énormément en Dieu, et maintenant, bon, certaines choses ont changé, je ne rentrerai pas dans ce sujet-là, mais je me rappelle que on nous disait tout le temps, on peut prier partout, on n'a pas besoin d'avoir une église pour ça.
La spiritualité peut se vivre autrement qu'à travers quatre murs. Et ce qu'il y a de plus représentatif aussi par rapport à cette cathédrale, à cette magnifique cathédrale, que je regrette aussi, hein, ne pensez pas, il fait quoi le pape? Ben ouais, pourquoi il vient pas? Puis le Vatican, pourquoi il ne met pas la main à la poche? Parce que le Vatican, n'oublions pas c'est un des pays les plus riches, hein. Enfin, je dis ça. Voilà. Je pense que ce soir, je me laisse aller un petit peu dans la polémique, mais tant pis. Ce sont juste des sujets de réflexion qui me viennent, hein. Donc, quoi qu'il en soit, cette pleine lune nous montre, hein, que Uranus demande une libération, demande à passer, mais vraiment à briser des chaînes. La conjonction Saturne-Pluton, qui là marque une fin, donc qui va durer, hein, la conjonction avec la rétrogradation qui va bientôt démarrer dans quelques semaines, c'est juste le premier passage. Juste le premier passage. Normalement, on en a encore jusqu'en l'année prochaine. Hein. Et voir, je me demande si ça va pas, parce qu'après Jupiter va passer dans le Capricorne, je peux vous dire que. Si ma mémoire est bonne, si je ne me trompe pas, il y a une conjonction de Pluton-Saturne-Jupiter en décembre 2020 avec le Soleil. Ça va être du coton, hein. Préparez-vous. Ça va être, à mon avis, du coton. Bref, quoi qu'il en soit, on pourra en revenir à cette nouvelle lune, pleine lune du coup, parce que ce soir, je suis partie dans plein d'idées, mais voilà, ben, je suis comme vous un petit peu, hein, j'ai les idées qui fusent, j'ai le mental qui est à fond. J'observe énormément de choses. Elle n'est pas complètement, elle n'est pas négative en soi. C'est une pleine lune qui vraiment secoue et veut faire tomber la poussière. Vraiment. Vous avez également, alors, il y a des bonnes choses, hein, encore heureusement. On a quand même. Alors, j'ai pas la carte devant moi parce que en fait, j'ai fait cette vidéo vraiment sur un esprit de spontanéité totale. Et donc, j'ai pas la carte, mais de mémoire, il me semble qu'on a. Jupiter fait aussi des trigones. Ah oui, il y a aussi la conjonction, c'est ça, je voulais en parler. La conjonction de Mercure-Vénus. Vénus qui est en poisson, donc qui est encore dans le poisson, et vous avez Mercure qui est enfin passé dans le bélier, mais qui est conjoint à Chiron. Et Chiron, c'est la blessure, hein, c'est un astéroïde qui transite entre Saturne et Uranus et qui montre dans un thème natal une blessure originelle avec la lune noire. Et Mercure qui représente la communication est conjointe à Chiron et est carré à la nouvelle lune. Donc ici, il y a les paroles qui peuvent. Elle n'est pas carrée à la nouvelle lune, pardon, elle est carrée à Jupiter, il me semble. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a une parole ici qui est de l'ordre. Ici, il faut qu'elle se libère. Voilà. Il y a des vérités qu'on doit dire. Alors, ça représente souvent, avec cette conjonction Pluton-Saturne, hein, une situation de vie, souvent, ou un domaine de vie qu'on n'a pas voulu lâcher jusqu'à maintenant, par confort, par peur, par peu importe la raison. Et là, on n'en peut plus. C'est-à-dire que Jupiter, n'oubliez pas que c'est la liberté aussi, hein. C'est comme Uranus, les Sagittaires sont épris de liberté. Et ici, on va défendre. Il y a de l'ordre avec Chiron de la guérison, mais ça passe par de l'affirmation. Dans le bélier, c'est vraiment l'autorisation d'être, l'autorisation de naître. Alors, ça peut passer par la colère, ça peut passer par une exaspération, par beaucoup d'émotions, mais au moins les choses vont être dites, vont être posées. Et derrière, il va y avoir une libération, il va y avoir une validation. Validation de vous-même, peut-être pas à la personne que vous allez, entre guillemets, enguirlander, mais de vous-même, il va y avoir cette validation à l'intérieur de vous qui va être vraiment importante parce que ça va vous permettre enfin de relâcher la pression. Et ça va vous faire vraiment énormément de bien. Ne résistez pas alors, je ne dis pas qu'il faut se chamailler avec tout le monde, hein, autour de soi. Mais vraiment, si vous avez des mots à poser, si vous avez des intentions de mettre du clair,
faites-vous confiance et allez-y et posez ces mots-là parce que derrière il y a cette guérison. Hein. Chiron, on va venir faire du mal. C'est-à-dire, ça va être des paroles aussi qu'on va vous dire et qui vont vraiment beaucoup vous blesser et ça va être la goutte de trop. Et là, il va falloir vraiment vous défendre. On est dans le bélier, on est chez les guerriers là. Il va falloir mettre son habit de guerrier et dire là, stop. Là, ça va trop loin et je peux plus. Voilà, là, je peux plus. Maintenant, j'arrête les frais. Donc, ça peut être dans n'importe quel que soit le domaine de votre vie. Voilà. De toute façon, l'axe qui est beaucoup concerné, effectivement, ce sont les béliers et les balances, les capricornes et les cancers. Ces quatre signes-là, et alors j'en fais partie, sachant que mon soleil est à zéro de la balance, donc je me suis pris la nouvelle lune. Hein. Voilà, c'est peut-être pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. Donc, c'est vraiment les quatre, et bizarrement, une fois de plus, c'est que le bélier balance et le cancer capricorne représentent ce qu'on appelle la croix de l'incarnation. Puisque nous sommes du moi face aux autres et nous sommes dans le cancer et le capricorne, le père et la mère. Hein? C'est vraiment l'incarnation de soi. Excusez-moi, j'ai ma petite mimine qui miaule. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'ego ici qui doit se libérer, qui doit que ce soit à titre collectif, que ce soit à titre personnel. Il est intéressant d'aller voir si vous avez des planètes au 29e degré dans votre thème natal, pour ceux qui l'ont. Savoir où se trouve, ben, si vous avez votre soleil hein, dans l'un de ces quatre signes ou votre ascendant. Où se trouve une maison de vie, dans quelle, par exemple, la maison de vie, est-ce que ça va toucher la maison 2, la maison 3, la maison 4? Est-ce que le cancer va toucher pareil, la maison 1, la maison 2, la maison 3, la maison 4? Et là, vous pouvez un petit peu déterminer qu'est-ce qui va se passer. Dans le cancer, on est beaucoup dans le foyer, dans tout ce qui a rapport à la maman, tout ce qui a rapport à l'accueil, tout ce qui a rapport à la femme, à l'archétype de la femme. Dans le Capricorne, c'est le contraire. On est dans tout le pouvoir, on est dans la vie sociale, on est dans la destinée, on est dans ben, le pouvoir qu'on attribue aux autres. Dans le Bélier, on est dans les initiatives, on est dans l'ego, on est dans les batailles, dans l'action. Et dans la Balance, on est ben, effectivement moi et les autres. Donc on est ce que les autres nous renvoient, comment on les voit. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? C'est aussi la justice, l'esthétique, ce qu'on aime, hein, ce qu'on va chercher, la diplomatie, c'est comment on communique aussi avec les autres. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire de cette pleine lune, donc qui est très très secouante. Il y a vraiment ce message ici, et j'insiste vraiment là-dessus. De se libérer de quelque chose parce que si vous résistez de toute façon l'année prochaine ça risque d'être un petit peu plus difficile vraiment si vous avez l'occasion d'avancer faites-le si vous avez l'occasion de dire les mots faites-le même si c'est pour vous excuser aussi vous pouvez aussi le faire parce que ben, quand on traîne quelque chose quand on traîne des mensonges ou des secrets ou une honte une culpabilité ça nourrit tout ça c'est pas bon. Il n'y a pas de mal à reconnaître qu'on a pu ben, se tromper tout bêtement. Hein. On est humain, il ne faut pas l'oublier. Il faut rester vigilant à ce qui se passe actuellement, vraiment. J'espère que le collectif ne sera pas dupe de ce qui se joue vraiment en ce moment-là. Je vous incite aussi, même si c'est que de 5 euros. Marquez le coup, hein, n'hésitez pas à faire votre petite donation, pourquoi pas à Notre-Dame, qui effectivement mérite vraiment d'être reconstruite, même si ça fait mal au cœur de savoir eh bien, qu'on va abattre encore une fois 13 000 arbres pour refaire la forêt. Ça fait franchement, vu l'état de notre planète, ça fait peu mal au cœur. Donc j'espère qu'ils trouveront pourquoi pas une alternative, donc lancer des idées. Hein. Mais ne vous contentez pas d'assassiner les gens sur Internet agissez et faites le geste qu'il faut. Voilà, faites dans votre vie, là je parle pas de Notre-Dame, mais là vraiment, si vous avez de la colère, si vous avez, voilà, il faut la laisser partir, il faut laisser les choses mourir.
hein, pour pouvoir, n'ayez pas peur de ce qu'il y a derrière. La vie a horreur du vide, le vide n'existe pas, hein, donc même si ça fait peur, vous pouvez y aller. Voilà, il y a toujours quelque chose qui va arriver derrière et ça sera toujours quelque chose de mieux. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, ça s'est fait un petit peu sur un mode, comme je vous l'ai dit, j'ai fait cette vidéo sur un mode un petit peu spontanément. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris là comme ça. Donc, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. J'ai au plaisir de vous retrouver assez vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous, vraiment. Et je vous dis à très très vite, soit sur ma page Facebook, Les Étoiles de Shambhala. Vous pouvez visiter mon site également, du même nom, lesétoilesdechambhala.fr. Vous avez tout ce qu'il faut concernant eh bien, les cours que je donne, les consultations. Vous pouvez retrouver mes divers articles, quoique je m'occupe plus trop de mon blog non plus. En ce moment, j'ai une vie, j'arrive pas à toucher terre. Je suis très occupée et puis je vous remercie beaucoup vraiment de tous ces mots gentils, tous les retours que j'ai par rapport au thème que je fais. Voilà, vraiment, vous me soutenez, vous me portez tous et n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo vos impressions. Qu'est-ce que vous vivez, vous, dans votre vie? Parce que, sachez-le, moi j'apprends tout le temps et j'apprends à travers l'autre, je suis balance, donc j'apprends à travers l'autre, à travers ce qu'il peut me dire, ce qu'il peut m'apporter. Voilà. Sur ce, je vous fais un bisou et je vous dis une bonne soirée et portez-vous bien. Je vous souhaite quand même une magnifique pleine lune qu'elle vous apporte une belle libération à vous tous. Ciao, ciao!